société, bienvenue. Oui, c'est l'inventeur du métro. Général, je crois. Oh, je l'ai su, mais je m'en rappelle plus. Bienvenue, c'est celui qui a fait creuser le métro. Qui a creusé le métro, en quelle époque? En 1900. Ça veut dire bienvenue. Mon Dieu, nous dirons quelque chose d'agréable. Bienvenue, je ne sais pas exactement, je crois que ça date de la dernière guerre, non? Welcome. Bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris. Bienvenue, ça veut dire qu'on est bienvenu. Qu'on est bienvenu à Paris. En principe, il y a des moments qu'on n'est pas bienvenu aussi. Bienvenue, c'est un ingénieur qui était créateur du métro, hein, et dont on a donné son nom à une des stations. Ah bien, c'est le nom de l'ingénieur qui l'a fait. Quoi. L'a fait, qui l'a créé. Monsieur Fulgence, bienvenue. Fulgence, bienvenue. Vous êtes très bien renseigné. À quelle époque? Bienvenue, c'était un architecte ou un constructeur du 19e, 20e siècle qui a aménagé sur Paris les voies de métro. I thought it means welcome, but I'm not sure. Très bonne question, je ne sais pas. Je sais que c'était un homme, mais alors je ne sais pas du tout. Donc c'est lui qui a créé la première ligne de métro et c'est pour ça qu'on a donné son nom à la station. Ah, j'en sais plus rien. Non, désolé. C'est lui qui a inventé le métro. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Non, je sais pas. Non plus. J'imagine que bienvenue, c'est pour souhaiter la bienvenue aux Bretons. Comme le train, il arrive de Bretagne directement ici et toutes les crêperies qu'il y a dans le coin. Bah, je pense que c'est ça. Merci beaucoup.